Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tesla France 89. Aujourd'hui, donc, je vais vous partager mon expérience au niveau du service center de Dardilly à côté de Lyon. On leur a rendu visite un vendredi matin il n'y a pas très longtemps quand nous étions sur Lyon. C'est pas le service center le plus proche de chez nous. Le plus proche de chez nous, c'est Chambourcy. Alors, c'est pas que j'aime pas aller à Chambourcy parce qu'ils sont pas gentils, c'est juste que bon, pour nous, faut traverser tout Paris. Et on est quand même régulièrement sur Lyon, donc voilà, on préfère aller sur Lyon, c'est plus facile. Donc voilà, notre arrivée au service center. Alors évidemment, énormément de voitures, beaucoup de modèles 3 qui sont là en attente d'être préparés pour livraison. Enfin, ils nous ont expliqué qu'ils en avaient partout, il y en avait 400 dans la rue, sur le rond-point. Enfin vraiment, ils étaient envahis de voitures quand ils ont eu le rush de l'arrivée. D'ailleurs, on est resté 2-3 heures sur place. Et il y a eu quand même pas mal de livraisons pendant qu'on était là. Donc voilà le défaut sur lequel on est venu au niveau de la portière conducteur. Je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, voilà, je suis obligé de la claquer vraiment fort parce que sinon, elle n'est pas fermée. Donc c'est un peu fatigant parce qu'en fait, quand on rentre, on ne peut pas démarrer. Voilà, c'est au bout de la troisième fois qu'elle est fermée. Et on a d'ailleurs, vous voyez, un décalage au niveau des chromes. Donc visiblement, c'était un réglage au niveau de la portière à faire. Donc ça a été fait directement sur place. J'en ai profité du coup pour éditer des vidéos pendant qu'on patientait. Donc voilà, je vous fais faire un petit tour. La machine à café, le wifi sur place et puis un petit coin bureau. Donc bien sympa pour travailler. D'ailleurs, super sympa, on a croisé un de nos abonnés qui rendait visite aussi au service center pour récupérer un câble de recharge T2 qui n'avait pas été livré avec sa voiture. Donc c'est toujours cool de rencontrer tout le monde et puis de discuter un peu, voilà, surtout qu'il était en train de préparer un road trip pour Poitiers. Donc salut Chris, si tu regardes la vidéo, j'en suis sûr. Et puis on a échangé, donc lui il a une Model 3 blanche, nickel aussi, il est très content, donc voilà, toujours un plaisir. On en a profité aussi justement, c'est lui qui nous a donné l'idée, on a acheté le kit anti-crevaison, donc vous voyez là sur la photo emballé dans le plastique en haut à gauche, donc ça coûte 94€ directement au service center, et puis on a récupéré notre câble T2, voilà, qui était sur place. Donc voilà ce que ça donne après la réparation. Donc on voit bien quand même que voilà, les chromes sont maintenant presque alignés. Je ne suis pas entièrement convaincu. Par contre, vous verrez, j'ai pris des photos du côté passager. Voilà, je trouve qu'il y a quand même encore un décalage. Je pense que bon, ils ont fait ce qu'ils ont pu. En tout cas, par contre, la portière ferme beaucoup mieux. Depuis d'ailleurs, ça fait bientôt une semaine qu'on a récupéré le véhicule depuis le réglage. Et franchement, j'ai pas eu le problème à nouveau de devoir claquer une deuxième fois la porte pour la fermer, même si on nous avait prévenu que de toute façon, c'est apparemment une remarque qui est faite régulièrement par rapport à ça. Donc voilà, sinon au niveau, voilà, côté passager, je trouve quand même que c'est nettement plus aligné. Voilà, donc peut-être encore un réglage à faire, on verra. On attendra peut-être que du coup la personne qui se déplace en mobile et qui vient directement réparer sur place, si elle peut être dispo, ce sera plus simple pour nous. En tout cas, merci beaucoup à l'équipe de Dardilly, vraiment super sympa pour le câble, pour tout. Et puis on nous a rendu la voiture nettoyée intérieur, extérieur, et ça fait vraiment plaisir, surtout qu'elle était pas très propre. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu encore une fois, et puis surtout n'hésitez pas à vous abonner. Cliquez bien sur la petite clochette pour être prévenu quand il y a une nouvelle vidéo qui sort, on essaye hein, tous les jours comme d'hab. Et puis voilà, n'hésitez pas à les commentaires par rapport à votre expérience. Les petits pouces bleus, ça fait aussi plaisir. Et puis n'oubliez pas le programme de parrainage. Si vous voulez avoir 1500 km de superchargeur gratuit, et nous aussi, utilisez notre code, je le mets en description. À bientôt, salut !